Tu vois qui c'est qui est derrière moi? Le Christ. Et ce message, c'est un message pour te rappeler à chaque fois dans ta journée, dans ta vie, dans ton quotidien, que le Christ, c'est de la conscience. C'est la conscience christique et c'est ce qui, à chaque fois, te permet de te relier à qui tu es vraiment plus profond de toi. Et parfois, on peut se perdre, on peut s'oublier, on peut perdre de vue un petit peu la spiritualité, pourquoi on est sur Terre et pourquoi on est ici. Et justement, des symboles comme ça, avec le Christ derrière, c'est vraiment constamment des rappels. Qui es-tu? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais sur Terre et pourquoi je suis venu ici? Et c'est des rappels puissants parce que, comme je te disais, quand tu es perdu dans le quotidien, à payer les dettes, à payer les bills, à payer tout ce qu'il y a à payer avec la famille, avec tout ça, et bien parfois on peut se déconnecter, on peut se perdre de notre propre spiritualité. Et il faut se rappeler que cet être qui est ici, avant d'être un être, c'est un état de conscience. Et cet état de conscience, tu peux l'avoir constamment au quotidien. Et plus tu te rappelles cet état de conscience, plus tu te rappelles de Dieu, plus tu te rappelles de la vie, et plus tu te connectes à cette énergie de joie interne, de non-dualité, de puissance, de force, d'humilité, de cœur, de compassion. Et ces symboles-là, peu importe la tradition spirituelle, peu importe la religion, c'est des symboles d'amour et ces symboles-là, ils sont extrêmement importants pour ton chemin spirituel, pour constamment te rappeler qui tu es. Donc je te le répète encore une fois, je suis actuellement à Cusco, au Pérou, tu vois. Et des lieux comme ça, c'est des lieux qui sont puissants parce que c'est des lieux qui sont chargés énergétiquement. Énergétiquement de par la prière, de par la spiritualité inca notamment, et aussi de toutes justement ces cérémonies qui peuvent être mises en place pour justement glorifier cet état de conscience divin. Et encore une fois, peu importe la tradition, que ce soit maya, inca, aztèque, peu importe d'où ça vient, on est tous dans le même bateau et on cherche tous la même chose. Donc voilà, petit message rapide pour te rappeler constamment de qui tu es vraiment et de constamment te connecter à ton cœur, à cette humilité de qui tu es. Et voilà, je t'envoie mes plus belles pensées, mes plus belles prières vers toi. Et à bientôt.